Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour la sélection, enfin pour le tournoi. Vous la retrouverez à la fin, juste avant, il y a un petit match abonné contre Mafia comme ça, et franchement, c'était top. Thank you.
Merci à Mafia qui est toujours dans le tournoi pour le match juste avant. Et vous avez pu voir que la sélection a été vraiment faite par pur hasard. Hein. Ça a été vraiment fait de manière aléatoire. Pour la partie Discord, je vous laisse avec Dorian qui va vous expliquer un peu plus justement la partie Discord. Il s'appelle ArlinFR sur Discord. Vous le retrouvez sous ce nom-là. Et il gère Discord avec moi. Donc quand vous avez des questions, s'il vous répond, c'est qu'il a la réponse. Et que, effectivement, bah, comme on communique pas mal lui et moi, et ben l'info, il l'aura. Et s'il vous la donne, en général, c'est qu'elle est bonne. Donc je te laisse, Dorian. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je m'appelle Dorian, j'aide José à gérer le Discord et là, je vais vous expliquer comment va fonctionner le tournoi au niveau du Discord. Alors pour ceci, vous devrez d'abord télécharger Discord si vous ne l'avez pas encore. Donc il y a le lien dans la description. Merci Dorian, et je tenais à ajouter pour ceux qui ne veulent pas justement l'installer sur leur machine parce qu'ils n'auront que l'utilité du logiciel pour SoccerStar, vous pouvez aussi utiliser la version web. Vous cliquez sur le bouton ouvrir dans votre navigateur et dans ce cas-là, c'est le navigateur qui va gérer, pas besoin d'installer, donc là c'est tranquille. Bon Dorian, je te laisse reprendre. Une fois arrivé sur la page, vous cliquez sur télécharger pour Windows. Vous aurez de télécharger un setup, vous double-cliquez et c'est parti pour l'installation. Ça prend environ 2 minutes. Et normalement, après, vous allez avoir Discord qui va s'ouvrir. Voilà. Donc vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Et si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur s'inscrire. Donc vous rentrez un mail, un pseudo et un mot de passe et vous validez. Donc moi, je vais me connecter. Quand vous arriverez, vous allez tomber sur un écran comme ça. En fait, vous allez devoir rejoindre un serveur, donc celui de José. Vous allez cliquer sur rejoindre un serveur et là, vous allez aller dans la description de la vidéo, copier le lien du serveur Discord et le coller. Et là, on fait rejoindre. On va arriver sur le serveur de Discord. Donc, qu'est-ce que c'est Discord? C'est un mixte un peu entre Skype et TeamSpeak et beaucoup mieux. Plus joli, plus esthétique, plus ergonomique. Donc, ce que je vous explique dans Discord, il y a des salons textuels où on peut écrire, on peut chatter en gros, et des salons vocaux où on peut parler. Donc, vous voyez à droite, il y a les pseudos des gens qui sont connectés. Alors, par exemple, moi, avec mon compte ArlinFR, donc je vais vous demander de faire pareil. Vous allez faire un clic droit et faire changer de pseudo. Et là, vous allez mettre le pseudo que vous avez exactement sur SoccerStar. Donc un exemple de pseudo hein, voilà, qui pourrait être réaliste comme ça, vous faites enregistrer. Et quand on fait de cette manière, c'est-à-dire que là vous avez votre pseudo SoccerStar sur le serveur SoccerStar, et si vous rejoignez un autre serveur, il y aura votre pseudo normal que vous avez renseigné à l'inscription. Vous pouvez aller ici dans votre mail, tout simplement faire vérifier l'adresse email. Bon, c'est pas grave si actuellement tu ne valides pas ton mail, quoi qu'il arrive, le serveur ne l'impose pas, mais si jamais à un moment ou à un autre je vois que c'est le bordel, là je l'imposerai. Donc là vous arrivez sur le serveur Discord, et alors là qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans l'onglet tournoi. Et dans l'onglet tournoi, il y a plusieurs onglets, donc des onglets de texte et des onglets vocaux. Donc vous allez aller dans le premier, c'est les infos. Donc, ben, comme le nom l'indique, ce sont les informations sur le tournoi. Là, par exemple, on a les matchs, donc qui joue contre qui, pardon. Et à la fin du match, vous allez devoir prendre un screenshot du résultat, donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de triche, et vous le postez dans ce salon qui s'appelle Screen Video. Vous cliquez sur le plus, et là, ça va tout simplement vous ouvrir l'explorateur et vous chercher votre screenshot. Alors, si vous êtes sur téléphone, ça vous ouvre la galerie, je crois. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Et alors il y a marqué vidéo. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre une vidéo de votre match et vous mettez le lien de téléchargement ici, un lien méga, un lien WeTransfer ou même un lien YouTube, on la téléchargera. Et si vous mettez la vidéo de votre match, il pourrait y avoir des extraits qui vont être pris, qui vont être mis sur YouTube dans la vidéo spéciale pour le tournoi, sur la chaîne de José Spéré. Donc voilà, si vous les passez en vidéo, vous prenez votre match pardon, en vidéo et vous mettez le lien ici. Voilà, grâce au visuel que vous avez, vous savez contre qui vous tombez, contre qui vous jouez. Vous pouvez très bien jouer dès maintenant contre cette personne. Il se trouve que vendredi, on va tous se retrouver sur Discord, pour ceux qui le peuvent, entre 21h et 23h. À ce moment-là, ceux qui n'auront pas fait leur match pourront éventuellement se retrouver à ce moment-là pour le réaliser,
pour faire les vidéos, pour échanger ensuite dans les salons vocaux ou textuels au choix. Bon, pour ça, effectivement, il faut aller sur Discord et vous inscrire sur Discord. Je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de validation de mail, vous pouvez vous inscrire très simplement, utiliser absolument votre idée Soccer Star pour qu'on puisse vous reconnaître, pour que ce soit plus simple d'échanger et de savoir qui tu es tout simplement sur Soccer Star. Et ensuite, on peut éventuellement par la suite faire des matchs en one shot, c'est-à-dire qu'on fera des tournois éventuellement où on aura toutes les personnes du début à la fin lors d'une même soirée. Et pour cela, je vous laisse regarder la suite de ce qu'a fait Dorian, qui est un peu plus complexe, qu'on va pas tout de suite entamer parce que justement ça demande une gymnastique pour ceux qui connaissent pas encore assez bien Discord. Donc je vous laisse un petit peu appréhender Discord, l'outil, etc. Écoutez la suite, ce sera vraiment pour les prochains tournois à réaliser. Et le deuxième onglet, c'est l'onglet rencontre. Donc dans l'onglet rencontre, en fait, quand le tournoi va commencer, donc vendredi à 21h, si je me rappelle bien, vous allez aller dans l'onglet rencontre et vous allez chercher tout simplement votre adversaire. Donc votre adversaire, dont vous connaîtrez le pseudo, normalement José il va le mettre dans sa vidéo, donc vous connaîtrez votre adversaire. Voilà, vous vous dites bonjour, etc. Et après, vous vous envoyez des messages privés pour discuter, voilà, enfin pour que vous vous trouviez sur Soccer Star. Et une fois que vous êtes prêt, vous allez tout simplement cliquer sur vestiaire. Et tout simplement, voilà, donc vous cliquez dessus, vous ne faites rien. Et vous allez dans « Je suis prêt ». Et là, vous marquez vos deux pseudos et vous dites « On est prêt ». Donc là, c'est-à-dire que vous, en fait, vous êtes en attente de commencer le match comme ça. On sait que vous êtes prêt et donc on va venir vous parler juste quelques secondes pour vous expliquer les règles vite fait. Vous assurez que vous avez tout compris. Donc pour cela, je vous rappelle, vous mettez votre pseudo et vous dites que vous êtes prêt. Et ensuite, donc vous cliquez surtout sur l'onglet vestiaire. Et là, vous attendez qu'on vous parle. Et une fois qu'on vous aura parlé, vous irez dans un des onglets match 1, match 2, match 3, quand vous serez en match. Et ça, c'est à vous de voir. Donc je vous dis que voilà, vous vous parlez un message privé et vous voyez si vous avez envie de vous parler pendant le match ou pas. Donc c'est comme vous voulez. Si vous voulez vous parler pendant le match, vous allez dans match 1 ou dans un des onglets de match. Et si vous voulez pas, ben vous faites votre match. Donc c'est un peu compliqué, j'en suis conscient. Donc je vous rappelle vite fait les étapes. Vous arrivez, hop, vous lisez les infos. Vous allez dans rencontre, vous cherchez votre adversaire. Et donc en gros voilà, enfin vous allez vous dire ah salut, bonsoir, machin. Une fois que vous avez trouvé votre adversaire, vous parlez en message privé. Quand vous êtes prêt, vous cliquez vous deux sur vestiaire. Et donc je suis prêt, il y en a un des deux qui marque les deux pseudos et qui dit on est prêt à jouer. On vous parle deux secondes. Et après vous pouvez commencer le match. Et à la fin vous mettez un screen. Voilà, donc c'est peut-être un peu compliqué. Si vous n'avez pas compris, vous mettez un commentaire sous cette vidéo, pardon, et je vous répondrai avec plaisir, parce que même moi, j'ai eu du mal à comprendre quand j'ai organisé le truc avec José. Voilà, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. On se retrouve demain entre 21h et 23h sur Discord. Quoi ? C'est quoi Discord ? Non, tu te fous de ma gueule. Discord, c'est bien simple. Maintenant, vous avez compris ce que c'était. Vous avez compris que c'était la base de tout. Que sans Discord, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc voilà, je vous laisse faire. Donc à très bientôt les amis. Et on se retrouve demain entre 21h et 23h. Et peut-être une petite vidéo entre-temps de match live.